Bon, qu'il n'y a que ceux-là que je dois les prendre. Malheureusement, il fait un petit peu chaud pour toi. Alors, on va déjà prendre ça. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit animal se promener de faune. Ah ben, il fait trop chaud de toute façon. Il faisait trop chaud. Un beau cadeau qu'on va avoir là, hein? Casque, un chef-d'œuvre en cataphracte, bonjour quoi, hein? Pas se plaindre, hein? Alors, tu me fais quoi, mes cœurs? Tu coupes des cactus? Ok. Alors, monsieur Maker, constructeur, vous êtes en 3, bah oui, c'est pas normal ça. Puisque vous êtes en 2. Ah. C'est un bizarre ça. Il devrait pas apporter. Il y a peut-être plus quelque chose, si, non, il y a tout ce qu'il faut. Et tu m'as fait quoi au fait comme case de commando, mec? Master. Un autre chef-d'œuvre. 3 degrés, il fait celui-là quand tu chauffes. 153. Excellent. Bon, c'est pour qui ça? Qui c'est qui veut être content d'avoir. Ben, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Quand tu auras une bagarre, vous le mettrez. Ça en fait deux, il m'en faut plus qu'un. Excellent. Là, il a 2-3, c'est bien. Pas pour le temps qui reste là-bas. Ah, il y a une chose qui sera importante à faire aussi, ça sera des fauteuils, hein, le plus tôt qu'on pourra, mais bon, pour le moment, on a trop de choses à faire encore pour l'instant. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui me fait? C'est Dan. Qu'est-ce que tu fais? Tu tailles des blocs de calcaire, voilà. Ok. Bien, mec. On n'a plus de plastacier. On n'a plus de plastacier, les enfants. C'est pour ça que je ne peux plus faire de casque. C'est pour ça que je ne peux plus faire de casque. Par contre, je peux faire les trucs qui restent. Je crois qu'il y en a encore, hein, ouais. Peu de bois, ça, pas grave, hein. Mais c'est plus rapide à faire déjà.
sacré boulot, les pauvres animaux, là. Faut pas que je leur en demande de trop non plus, hein. Il est quelle heure? 13h. Ok, je crois qu'on va refermer un peu la porte après. Un peu comme ça va leur permettre de rester au frais, se remettre pendant 10 minutes. Voilà, 100%. Ouais, il était plus qu'à 90 l'autre. Hein. Ok, j'ai rien dit, les gars, vous voulez aller, vous allez, pas de problème. On va vous laisser aller. Alors, 292. Oula, j'ai plus beaucoup de lait, hein. Ah, quel con. Au niveau du jus. Ouais, tu vois, bon gain, il n'y a aucun problème. Un sarcophage en calcaire, il faut énormément de temps. Je peux faire des sarcophages, moi, ouais, divers. Sarcophage en bois. Là, il faut que 4 blocs. Ouais, bon. Tant pis, c'est pas grave. Bon bah ils sont à 100. Ils sont repassés à 100, ils ont été mangés. Il est 21h et il fait moins chaud. Il se passe rien, mes enfants. Qu'est-ce que tu me dis qu'il manque? Il manque ça, hein? Ok. Maker, t'as fini. Maker, tu as fini. Bien, on se ferait bien maintenant, j'ai un petit peu d'uranium. On se ferait bien un petit... Donc ça, je vais te fermer. Et je vais me refaire un petit marteau de guerre. En uranium. Mais non, pas un marteau. C'est pas un marteau que je veux faire. C'est une massue. Médiévale. Ok, maker, en uranium, c'est bon. On va en faire une petite parce que j'ai que des bonnes. On va m'en faire deux. Je peux me faire quelque chose d'un petit peu mieux que ce que j'en avais. Ça serait pas mal. Il fait propre.
Bine est totalement guérie. Elle se tire. Merci Bine, au revoir Bine. On ne veut plus de toi. Ça se tire. Bon, une petite caravane. Hein, petit gars, une petite caravane. Moi, je veux bien. Je veux bien qu'on me fasse ça. Alors, on va se mettre une petite armoire aussi, tiens. Un petit temps que je me dis que je vais faire ça. Une petite étagère ici. Ouais. Si elle sera... Non, pas trop bien là. Oh, on peut la mettre là. Hein. Ou mieux. Ici, elle est très bien aussi. Voilà. Alors, cette étagère-là, elle va me servir à mettre une massue et une arme à courte portée. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Chef-d'œuvre. Ouais. Excellent. Alors, qui c'est qui va gagner ? Qui c'est qui a gagné ? C'est Dani qui a gagné. C'est Dani qui a gagné. Où que t'es, Dani? Ok. Ah bah après, tu... Elle est où, ma petite masse? Elle est où, ma petite masse? Allez, montre-moi où elle est. Pas là du tout. Où qu'elle est? Moi, au niveau des problèmes aux yeux. Masse médiévale bonne. D'accord. T'es occupé de me la porter là-bas. Donc, d'équerre, non. Dan. Bon, je n'ai plus de place d'acier. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors. Normalement, j'ai tout hein, ici. Hein. Parce que je préférais que tu me fasses des blanches pour le moment. En tout cas, pour le moment, tout tourne sur des roulettes, hein, c'est...
1896, ça remonte un peu. Le lait qui diminue de plus en plus, mais bon, tant pis, hein. On pourra stocker un peu le lait par après. Mais comme j'en ai pas véritablement le besoin du lait. Tu m'as fait un autre chef-d'œuvre, non? Ensuite, on va commencer à escape du vent, il y a tout ce qu'il faut, ouais. J'ai besoin qu'on me fasse ça. Mais je voudrais avoir comme arme en plus des masses. Je veux également en arme à distance. Les pakutukutukutum, les pistolets automatiques. Et les revolvers aussi. Voilà. Ici, on a une massue bonne, ok. Et je veux également alors, je veux arme de mêlée. Nous voulons la masse médiévale. Et minimum, quelque chose de bon, bien sûr. Et ensuite, je veux une arme à distance. Un lanceur de fumigène. Alors, Bin est décédé. Oh, c'est... Où est-ce qu'elle est? Ah, oh, t'aurais pas pu aller jusqu'au bout, enfoiré. T'aurais vraiment pas pu aller jusqu'au bout. Je suis préoccupé de toi, je t'ai donné à manger et j'ai rien gagné à cause de ça. Bon, t'étais toute nue, il faut dire. Celle-ci, elle n'est pas trop toute nue. Elle est presque toute nue quand même. Un t-shirt, quoi. Tiens, pas du degré. Ah non, je te donne rien, ma belle. Je vais pas te donner quelque chose quand même. À moins que j'ai un vieux truc pourri, mais. Non, j'ai pas de vieux truc pourri. Toi, je te mets comme ça, hein, comme ça, il pourra pas me le faire. Et puis, je voudrais bien un deuxième bac comme ça. Et sur ce bac-là, on va mettre le truc psychanalyste, là, le truc pour assommer les gens. Donc là, j'ai deux massues bonnes, ok. Merci vache. Alors, ici, je dois avoir le fumigène. On peut mettre un pistolet mitrailleur lourd. Pas. Bah, on va tout effacer. Voilà. Je veux. C'est de la construction? Pense pas. Arme intelligente non plus. Bon, c'est dans construction alors. Et c'est dans. C'est pas dans morceaux, c'est pas dans construction, ce n'est pas dans armes.
Ce n'est pas dans les armes. Ben oui, et c'est dans les objets, bien sûr. Et ce sont dans les artefacts de perturbation psychique. On va y arriver. Justina, tu te tires. Salut, on ne te voulait plus non plus. Essaye de rester en vie. Le plus longtemps possible. T'as faim, mais t'as aucun problème de mouvement. Mais t'es nu, ça c'est sûr. T'es agile. Si t'as froid, t'as qu'à te foutre le feu, mais ça m'étonnerait. Oh là. Elle n'avance pas vite. Pourquoi elle n'avance pas vite comme ça? 3,50 parce qu'il fait noir, bien sûr. Et elle n'a que 95%. C'est pas énorme ça. Mais c'est parce qu'il fait noir. Malgré tout, il se fout un peu de moi ce truc. Allez quoi. 3,50 par rapport à mes copains qui ont 4,60. Ah, installation, et tu vas par où? Donc tu vas faire le grand tour. Est-ce qu'elle va tenir? Allez, je suis en vitesse double, qu'est-ce qui se passe? 80%, ben oui, l'insolation, c'est méchant l'insolation, ben c'est méchant l'insolation. Ouais, écoute, on verra bien. De toute façon, on a quelque chose à bouffer pour le loup, c'est parfait. Je sais pas où il a été mal rapporté. Où est-ce qu'il a le cadavre? Hein? Tu m'as ramené ça dans le frigo ou quoi? Ah non, elle est là, ok. Voilà. Là au-dessus. Il va jamais y arriver. Elle ne va jamais arriver jusque-là. Il ne sait que 51, mais elle ne va jamais arriver jusque-là. En plus, il y a des pierres à traverser. Voilà. Adieu, Justina. Je me suis fatigué pour rien. Bon. En tout cas, pas trop fatigué non plus, hein, faut dire. Alors, j'ai fini mes armes. On dirait bien. Que me reste-t-il? J'ai donc les pantalons, je vais plutôt les revendre. J'ai quelques carabines. On va aussi faire les carabines. Les carabines médiocres. Donc ça, c'est les carabines de survie. Hein. Ah, pardon. Se vend tellement mal ces trucs-là. La carabine de survie. Ici, en premier lieu. Voilà. Mais au maximum de horrible à horrible anormal. Il reste pas grand chose d'autre, je crois pas, non. T'es morte? Sérieuse? Peu ça, malnutrition.
Allez, allez, poupou, allez, poupou, tu vas arriver. Oh là, ça c'est. Il faut déjà être vieux pour comprendre celle-là. Allez, poupou. Pourtant, c'est un de vos héros, les Français, ça. Allez, elle va y arriver. Elle va y arriver, oui. Allez, allez. L'éternel second. Oui, elle est passée. Excellent. On a quand même gagné 15 pour l'autre. Peut-être, je ne suis pas sûr. Bon, parfait. C'est-il pas beau, ça? Donne-moi ici une mitrailleuse. Non, j'ai besoin du fusil. Le fumigène, il est où? Il est ici, hein? Lanceur de fumigène. N'est-ce point cela que j'ai ici? Ah, je ne l'ai pas mis. Allez, commande. Oui, voilà. Alors, vous dites pourquoi est-ce qu'il ne met pas aussi des casques là? Je ne mets pas les casques là parce que je peux aussi bien avoir une infestation, hein, quelque part par là, donc. Bon, je place ça. Où est-ce que je vais trouver ça? Il me faudrait un commerçant et je pourrais lui acheter tout ce que j'ai besoin. Bon, animaux, messieurs, mesdames, 100%. Ok, tout le monde a eu à bouffer. Hop, toi, tu vas mourir, je crois. Non, pas encore. Bébé dromadaire. On a 15 jours. 25 jours, encore 5 jours pour toi. Ben, on a dû pas mal avancer. Ici, ça commence à devenir intéressant, je pense. 318. On a fini les pistolets, je crois que oui, on a fini. Donc ça, c'est terminé. On désactive. Bien qu'avec le vent qu'il y a, je pourrais me faire un petit peu d'acier. Bon, j'ai assez d'acier pour l'instant, donc on va oublier. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Y a-t-il un autre chose? J'ai une harpe. Un clavecin. On va se faire un petit clavecin. Combien ça coûte ça, le clavecin? Ah, quand même, quand même, hein, quand même, quand même, quand même, quand même. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ça, j'ai fini. Donc je peux bloquer l'électricité ici. Libellule. Oui, libellule papillon. Mes cœurs, tu vas me faire ici. On va reprendre un petit peu le travail. Fais-moi sauvage et sauvage. Voilà. Donc, il y en a qui seront en poil de chameau et les autres en fourrure de loup. Ça, c'est le dromadaire et ça, c'est le cuir d'oiseau. La fourrure de loup, j'ai plus. Si, hein, cuir d'éléphant, 80. Non, lézard, oiseau. Fourrure de loup, 75. J'en ai pour faire 3, c'est parfait. Excellent, 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 excellent. Une petite creusette ici pour mettre une lumière. Ça y est, c'est parti. Les plants de riz commencent à pourrir. Ok. Là, on n'a plus le choix. On va pas se faire avoir comme la dernière fois. La seule chose à faire dans ce cas-là, c'est récolter tout sans distinction.
tout cas, tout ce qui est riz, si on peut. Sinon, ça va pourrir. Pour rien. Voilà. À 3%, allez. Ok. Vas-y, 2%. Allez, roule. Bah, tu continues, mec. Vache, t'es où, vache? Bon, bah, Grizzly, tu me finiras. Par contre, on va planter autre chose cette fois-ci, ici dedans. Ça va plus être du riz. Je pense qu'on va faire de la smoke leaf. Un smoke leaf. Une racine de vie. Bon, on va faire deux smoke leaf là. Ici, on va faire de la vie. La vie, ça va parce qu'elle tient plus longtemps. Je veux dire, elle tient plus longtemps. Elle vit plus longtemps. Voilà ce que je veux dire. Le plan, voilà, elle fait 56 jours, tandis que le plan de riz ne fait que 24 jours. C'est pour ça que si vous ne pouvez pas récolter quelque chose qui dure pendant 24 jours, qui a été planté depuis 24 jours, vous le perdez. Il pourrit. Pur pied. C'est nouveau, hein? Enfin c'est pas nouveau, mais... Donc on va faire la même chose ici, je te mets de la racine de vie aussi. Ça, du coton, je veux dire j'en ai, hein. Coton j'en ai nettement assez. Donc ça c'est racine de vie, ok. Ça c'est deux smoke leaf. On peut laisser le reste, je pense que alors, autant au lieu de faire du riz, ce que je veux avoir, c'est ça plus ça. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Du riz, j'en ai besoin quand même. Parce que 24, ça ne sera pas assez. Il m'en faut 3 par jour. 3 par personne fois 11, il m'en faudra 33. Donc 24, 2, 4 et 6. Ça me ferait 30, je serais juste, quoi. Ça devrait être bon. Je préfère garder ça comme ça. Pour cette année-ci, on fait comme ça. Pour l'année prochaine, on refera un deuxième souterrain. Donc là, je vais quand même garder en plan de riz, c'est bon. C'est ce qui me rapporte le plus. Ok. Merci, monsieur. Voilà, on a de la patate. Alors, on va cacher toutes ces horreurs. 22,5, c'est parfait. J'ai pas besoin de voir ça non plus.
Alors, si vous voulez mettre à côté de votre atelier, vous voudriez mettre des. Dites, tiens, ben, ça serait bien de mettre des pierres. Vous pouvez le faire à la condition de le mettre là-dedans. Parce que chaque truc de pierre, c'est 15 de mocheté. Et donc, on peut. Allez, commande. Voilà. On va faire une copie, on va la faire ici. Ah, j'aime pas. Ah si, je crois qu'ils peuvent passer à travers, de toute façon. Ouais, ils doivent pouvoir passer à travers. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va dire ici pour l'instant. Ouais, bon, de toute façon, je peux rien dire pour le moment. Non. Hop, si je le mets au sol, ça sert à rien, puisqu'il faut quand même qu'il aille là-bas m'en chercher. Pourquoi c'est vert là? Pourquoi c'est vert? Parce que c'est une zone agricole. Ah bon? Là? Ah ouais, d'accord. Repousser sous le carrelage, ça va être dur. Tu jamais, hein? Il y a bien de l'herbe qui pousse en tissu là, au Qatar. Hein, Slan? Excellent son truc. Tout va bien, mes enfants. Bon, je suppose qu'il y a quelque chose qui va nous tomber sur le nez d'ici peu. Certainement. À Géraud. Ici. Stockage, tout effacé. Priorité critique. Je veux des morceaux de pierre. Ce ne sont pas des morceaux, ce sont des constructions. Alors, objet inachevé. Non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Bien sûr, c'est des gravats, mec. C'est des gravats, quoi. C'est des gravats en calcaire que je vais. Voilà. Ça, c'est du calcaire, ben, bien sûr. Ben, c'est un libellule qui s'est collé. Ok. Personne qui veut m'amener du granit. Ben, t'es en normal. Il n'y a plus de granit, il y a plein de granit, quoi.
Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, ils ont bien nettoyé déjà. Ah, plus de lait. On va laisser gonfler un peu. On va remettre peut-être. Qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant? Un petit peu de riz. Ah, je n'ai pas encore des tonnes. Hein. On va augmenter. Cinquante-trois, ça pousse. Ah, maintenant je peux dire que je veux déposer au sol et déposer au sol. Voilà, ça ira plus vite. Si on arrive à suivre au niveau des pierres. C'est tout à fait possible. Voilà. Et là, on a presque fini. Et quelqu'un vient me dire que c'est moche, que j'aurais pu faire quelque chose de joli, mais j'en ai mais alors rien à cirer, bien entendu, que ce soit toutes les couleurs, je m'en fous totalement. Ok, alors le raid, il est où? Il est où? Il est où? Ah ouais. Alors, comment es-tu? Tu es une vieille blessure, besoin. Bio, bonne misogyne. Mais tu es beau et tu as une bonne mémoire. Ouais, ils sont plus intéressants, hein, ceux-là, hein, quand même. Mais j'ai trop de mal, il me faut une femelle. Sinon, t'es pas trop mal. Un artiste, un deuxième artiste, ça répète. Non, je sais pas. Non. Ah, bah, tu vas rester là, mon gars. On va peut-être survivre, tant mieux pour toi si tu survis. Tu veux venir casser mes trucs? Bah oui, tu vas casser. Viens casser quelque chose, montre-moi un peu comment tu fais. Casse, 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 c'est pas grave. Énerve-toi, tu vas pas pouvoir le faire longtemps. Ouais, forte transpiration, on va m'en casser un, peut-être. Ouais, et puis, ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est toujours. Bah vas-y, mec. Ah, je suis encore trompé. Je me suis trompé. Déjà, Libellule, comment ça se fait que t'as ça, toi? Déjà, Libellule, tu vas prendre ceci. Dès que tu te réveilles. Ensuite, ici, c'est pas ça que je veux. Ce sont des casques. Tout effacé. Je veux deux casques. Ferme hein, parce qu'on va pas y arriver. Vêtements. Couvre-chef.
Armure, bien sûr. Coiffure. Voilà. Casque de commando. Et casque de cataphracte. Les deux. T'as réussi à me foutre le feu? Putain, t'es super excité, toi, hein? Ah oui, t'es en dessous du... Ouais, attends, t'es content? Ouais, vire-toi. Bon. Alors, j'ai appris que ceci, on peut pas le manger cru. Enfin, on peut le manger, mais c'est comme les baies. Ça a un risque d'intoxication. Bien que ça ne soit pas marqué ici, bien sûr. Alors par contre, il va falloir qu'on le teste pour voir si ça fait une nourriture. Si on la met en plat simple, par exemple, est-ce que si on la mange... Bah, c'est génial. Ok, monument terminé, on doit tenir 30 jours. Émanateur psychique, enfant. Yes. Waouh. Kéké. Yes, my friend. Ben, toi, tu vas aller, bien entendu, ici. Waouh. Visez-moi la taille du truc. Sublime. Excellent, excellent. Ouais, ouais, il y a du jus pour aller jusque-là, je suppose. Hein. Ouais, normalement, tu ne dois pas avoir de problème. 200 watts, ouais, mais est-ce que c'est 200 watts par rapport au bénéfice que je vais avoir de ce truc? Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'avais un casque, hein, de cataphracte, il est déjà là. Non, ça, c'est mon casque de commando. Qu'il est mon casque de cataphracte. Ça fout bien le feu, ça. Je croyais que ça brûlait pas le métal, moi. Ça brûle. Ah, foiré, t'as quand même réussi à me faire perte. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors. Je disais donc que nous avons normalement reçu un casque de cataphracte. Chef-d'œuvre, donc ça c'est commando bon. J'ai reçu autre part ou quoi? Non. Ouais, j'aurais dû. Bon, moi j'aurais. Ah, ben voilà, sans doute, non? Non, c'est mon... J'en avais que deux, normalement, hein, puisqu'il m'en reste un à faire ici, si je ne me trompe pas. Où est-ce que c'est? Excellent, ah oui. Casque de cataphracte excellent. Gars, là, on se fout de moi là. Où est mon casque de cataphracte? Maman, mon casque de cataphracte, je le veux. Bon, on va faire autrement. Le récupérer comme ça. On verra bien, hein. Une solution comme une autre. Donc ça, on s'en fout.
Nouvelle quête. C'est où déjà? Nexus parallèle. Alors. Oui, un grenadier, 4 mercenaires, 3 mercenaires, 2 mercenaires d'élite, 4 pirates. Et puis juste après, 2 suivants. 2 en suivant. Qu'est-ce que tu me donnes? Faveur royale plus 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 plus 14, ça va en faire 28 dans le nez. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je crois qu'on est prêt. Je crois qu'on est prêt pour faire ça. Bon, grenadier et tout ça, ils vont essayer de venir par ici, hein. Maintenant, ici, c'est pas prêt, bien entendu. Ils sont capables de venir par ici, bien sûr. Ça serait un petit peu plus gênant. Bien qu'à ce moment-là, je les attends ici. Je vais les attendre ici, je vais les attendre là aussi, hein. Bon, mes armes sont comment? Libellule, tu as ton fusil longueur, excellent. Tu as ton marteau de Zeus. Il n'est que bon, malheureusement. Toi, tu as fusil à pompe automatique. Dan, tu es passé à la massue en uranium chef-d'œuvre. Vache, tu as un chef-d'œuvre. Allô. Toi, t'as que bon. Maker, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Et. Anarchiste. Je ne savais pas que tu avais ça, mon ami. Alors, anarchiste, tu étais un bon en mêlée, toi. Mais j'ai pas de. Pour le moment, je n'ai pas de place pour toi. Mais ça viendra, hein. Ne t'inquiète pas. Normal. Normal. On a un bon ici. On a un bon et il y a que ça. Donc anarchiste. Tu peux nettoyer les déchets, mais tu vas d'abord te prendre ça, mon ami. Par contre, je manque de casque. Je pourrais aussi faire 3 ceintures d'énergie. Ça demande quoi, les ceintures d'énergie? C'est intéressant. Ceinture d'énergie, ça donnerait quoi? Bouclier d'énergie. Ça coûte quoi? Place assise, c'est foutu. Quatre composants, 75 à suivre. Bon, on va en refaire un. On va en refaire un. Pistolet mitrailleur lourd, hein. Et je devrais avoir une deuxième. J'en ai plusieurs comme ça. Normalement, j'en ai là. Une. Elle n'est que bonne. Elles sont 3 bonnes, c'est pas de chance. Bon, j'ai combien de jours pour cette quête? De toute façon, je crois qu'on va la faire dans la suivante. J'ai 6 jours 3. Ok. Plastacier, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Où est-ce que je pourrais récupérer du plastacier? De l'autre côté, je sais que j'en ai, mais il fait chaud. Il fait encore trop chaud pour aller se promener en caravane.
Enfin, c'est mon avis, hein, mais. Il y a peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur, hein, mais. Bon, je crois qu'on va s'arrêter un petit peu ici, de toute façon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à laisser des commentaires si ça vous a plu. Même si ça ne vous a pas plu, je vous invite aussi à en laisser, bien entendu, surtout en me disant pourquoi ça ne va pas. Allez, bye bye, ciao.